Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. Je vais vous présenter le calendrier que j'ai fait pour Anso de la chaîne Chasse-Crap. Vous aurez la vidéo car ça y est, enfin je lui ai donné. J'étais à la bourre, mais je vous jure. Donc, je lui donne ce soir après 16h et ce matin, j'étais encore en train de le remplir. Non, mais c'est pour vous dire que, moi, je vous le dis, je commence pas assez tôt. Enfin, bref. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc, je lui ai fait une petite carte, comme vous avez vu le tuto que j'ai fait pour Isabelle et Alexandra. Donc, j'ai fait le même style de carte, mais dans un autre, avec d'autres papiers. Voilà, avec un Père Noël un peu vintage, comme j'aime bien. Merry Christmas, il vient d'un Luxe Paper Block que j'ai maté sur du papier doré, paillette. Là, il y a du papier doré holographique et là, il y a du doré paillette. Donc voilà, toute simple. Alors, je suis désolée, Anso, j'ai oublié de faire écrire Poussinette. Elle va me tuer en rentrant le soir de l'école. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, je vous montre. Moi, je vous remonte. Donc, vous l'avez vu en tuto. Donc, voilà le calendrier que je lui ai préparé. Donc, quand on ouvre, il y a les mini-livres. Et en fait, dedans, je ne vais rien trahir. Allez, hop, on va prendre le 6 Saint-Nicolas. Voilà. Donc, dans chaque case, il y a un chocolat. Ça varie en fonction des jours. Un chocolat. Et dans certaines cases, il y a les cadeaux. Donc, c'est pour ça que je ne vous montrerai pas d'autres. Là, je suis sûre qu'il n'y est pas. Et donc, pour les cadeaux que je n'ai pas réussi à mettre dans les cases, parce que vu que les cases sont un peu petites, hein, j'y ai mis une petite gélule. Voilà. Et quand on l'ouvre, il y a un petit papier, on enlève le petit anneau. Alors là, je vous montre parce que je sais que là, il n'y a pas vraiment d'indice par rapport au cadeau qu'elle va trouver. Et j'ai juste écrit « Joyeux Saint-Nicolas ». Mais dans les autres, il y a des indices. Je trouvais ça sympa. Ça fait un peu genre à la recherche du trésor perdu. Léane, elle s'est éclatée à réfléchir aux indices avec moi. Elle a choisi beaucoup de cadeaux. Voilà. J'aurais aimé faire plus de faits maison, mais franchement, j'ai manqué de temps. C'est un truc de dingue. J'ai encore pas commencé mon December Daily et on commence demain. Tout va bien, tout va bien. Allez. Donc, les 24 cases. Hop, je vais les remettre par ici. Donc, il y a les cadeaux qui ne sont pas rentrés. Vous voyez ma chienne, là, j'ai élu domicile dans mon salon. Donc là, vous voyez les cadeaux que je n'ai pas pu mettre. Il y a différents formats. Hein. Et le cadeau pour le 25. Voilà. J'espère que ça plaira à Anso. En tout cas, moi, je me suis amusée à le remplir, à créer des petites choses. Voilà, il n'y a pas que du scrap. Il y a beaucoup, mais pas que. Voilà, parce que je trouve que Noël, c'est quand même aussi du temps pour soi, aussi du temps de partage et tout ça. Donc voilà, donc j'espère du fond du cœur que ça te plaira. En tout cas, nous, on s'est éclatés. Puis avec Léane, on n'était pas forcément d'accord sur certaines choses. On s'est un petit peu chapardé, comme on dirait. Parce qu'elle a ses idées bien à elle et puis moi, j'ai les miennes. Donc c'est un peu compliqué à tout gérer. Mais bon, au final, on a réussi à se mettre d'accord. Elle voulait te voler certaines choses. Hein. Voilà, surtout, je crois que c'est celui-là. Surtout celui-ci. Elle voulait te le piquer, le numéro 16. Tu comprendras quand tu l'ouvriras. Donc voilà, donc j'espère du fond du cœur que ça te plaira. Demain, je vous ferai la vidéo présentation de mes calendriers. Mon mari m'a commandé un calendrier de scrap. Dans la boutique de Fanny, donc je vous ferai la petite vidéo de présentation. Et pour les ouvertures calendrier, ce que je ferai, c'est que
Moi, je les ouvrirai tous les jours, je mettrai sur Instagram les photos et je mettrai la vidéo tous les dimanches. Voilà, pour pas vous saouler tous les jours avec l'ouverture des calendriers et tout ça, je ferai une vidéo complète le dimanche et comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'aurai reçu. Voilà. Ensuite, le December Daily, bah là, je vais aller l'attaquer, hein. Mais pareil, je ne ferai pas une vidéo par jour parce qu'en fait, je vais faire mon December Daily, la structure et les pages de base. Et ensuite, ça sera en fonction des photos, en fonction du thème, en fonction de tout ça que je veux vraiment axer sur la déco. Voilà, c'est vraiment parce que je me suis amusée à découper tous les die-cuts de la collection. Donc, il y en a plutôt pas mal. Voilà, vous voyez. Donc là, il y a vraiment moyen que je m'amuse à décorer avec, comment dire, de la dentelle, des fleurs, des rubans, enfin, tout ce que j'aime bien. Et j'aimerais aussi couper mes photos en forme d'étoile, en forme de boule, enfin bref, j'ai une petite idée en tête. Donc ça, je le ferai vraiment en fonction de la photo. Voilà, donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo de comment je prépare mon December Daily. La déco devant de la page, de la page du devant du December Daily. Et au fur et à mesure, on fera la déco ensemble. Mais pareil, je ne vais pas vous faire une vidéo par jour. Je ferai peut-être une vidéo tous les 3 jours. Vu que comme ça, j'aurai le temps d'imprimer les photos. Pas faire une photo sur une grande page de papier photo pour éviter de gâcher. Donc voilà, je vais vraiment essayer de le réfléchir posément. On est plutôt pas mal. J'ai déjà les idées en tête avec la pâte à structure neige. Enfin bref, vu que c'est le papier avec les rennes et tout ça. Donc voilà, en plus j'ai encore à faire le prototype pour le cadeau de la maîtresse, plus je veux faire les cartes pour vous remercier pour le concours, plus, enfin bref. vous croyez qu'on pourrait avoir des journées de 48 heures? Parce que là, à un moment donné, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas commencé aussi mes biscuits de Noël, mes bûches, mes listes de ce qu'il y a à faire. Normalement, les listes sont faites. J'ai un problème avec les listes, hein, mes enfants et mon mari se moquent sans arrêt de moi. D'ailleurs, il m'a acheté il y a un bloc chez Emma où je peux faire les listes et il y a des cases pour cocher à côté. Donc voilà, donc là, il faut vraiment que je me pose un bon coup, que je souffle et que je prépare tout ça parce que bon, mine de rien, demain, on est le 1er décembre. Je n'ai pas rempli les calendriers de mes enfants, à part celui de Poussinette. Bon, après, ils rentrent que vendredi vu qu'ils sont à l'internat, donc j'ai encore 2 jours à remplir pour remplir les calendriers. Donc ouais, il y a encore un petit peu de boulot quand même, hein, mine de rien. Si on pouvait m'envoyer du courage, de la force un petit peu là, parce que fou, 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 fou. Puis bon, bah, samedi soir, soirée pyjama pour Poussinette. Hein. Donc il y a... Fou, et repas de Saint-Nicolas dimanche. Tout va bien. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est toujours comme ça, le rush en fin d'année. Enfin, je ne sais pas chez vous comment que ça se passe, mais chez nous, c'est toujours, on est toujours... Enfin, il y a toujours du monde où il y a plein de choses à préparer. Ça sent la cannelle de tous les côtés. C'est ça aussi, je voulais préparer des rondelles d'orange séchées pour mettre dans mon December Day. Ça aussi, il va falloir que je fasse. Ouais, je vous le dis. Je vous le dis, il va falloir travailler la nuit parce que là, ou alors embaucher des petits lutins. Parce que là, c'est pas possible, quoi. C'est un truc de fou. Puis, je veux préparer aussi des fleurs. Je veux... Oh, po, 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 po. Bon, allez, ça va aller, ça va aller. On y croit. On y arrive toujours, un peu dans la précipitation, un peu... Mais on y arrive, c'est comme ça, c'est toujours... J'embaucherai mon mari si ça va pas. Il va être content, il va faire un peu de scrap. Il adore ça. Je vais embaucher aussi Poussinette pour qu'elle me fasse des découpes de feuillage. Ouais, je vais peut-être sous-traiter un petit peu toute ma famille. Ouais. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Vous en pensez quoi, vous? Donc voilà, donc j'espère que bon bah mon blabla vous aura pas trop saoulé. Hein. Donc peut-être que ce mois-ci il y aura plus de vidéos que d'habitude.
Voilà, parce que c'est vraiment un mois chargé, un mois un peu particulier entre les ouvertures calendrier, le December Daily. Mon album de Noël, vous ne l'aurez que au mois de janvier. Voilà, parce que j'attends vraiment d'avoir fait développer toutes mes photos pour vraiment le réfléchir en fonction de mes photos. Donc, vous aurez mon album Noël encore en janvier, février, vu que je veux aussi en faire un pour mon frère. Donc, je risque encore de vous saouler une petite paire de mois avec Noël. Et puis, j'ai déjà des abonnés comme Clochette Bricot qui m'ont envoyé des idées, des photos de calendrier de l'Avent qu'elles ont trouvées en forme de casse-noisette et tout ça. Et donc, je suis déjà en train de prendre des notes pour les futurs calendriers de l'année prochaine. Voilà, donc, ouais, je sais, je sais, je sais, j'exagère, mais bon. Donc, voilà, j'ai déjà 3 idées pour l'année prochaine. Donc, je pense qu'il y a possibilité. Je les commencerai plus tôt parce qu'on va anticiper inondations, mal de dos, alitement. Non mais vous voyez un petit peu, il faut parce que là j'ai perdu un mois et là je le ressens, je suis dans le speed et tout ce que je n'aime pas. Là je suis dans mon salon parce que l'état de mon bureau et de ma scrap room c'est juste pas possible. J'ai honte mais vous imaginez même pas. Faut que je me pose et que je range tout correctement parce que là il y en a de partout. Voilà c'est simple, il y en a de partout. Je prends les boîtes, je les laisse par terre, à côté de moi, enfin bref. C'est une catastrophe, une honte. Comme dirait Poucinette, tu viendrais dans ma chambre, tu verrais mon bureau dans cet état-là, tu prendrais le bras, tu jetterais tout pareil. Tout par terre, pardon. Bah là, c'est un peu le cas, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais bon, allez, ça va aller, on va y arriver, on va y arriver. Il faut prendre un petit peu de temps. Mais du temps, on court après, c'est... Voilà. Ce soir, on va chez Cultura. Voilà, donc ça aussi, on récupère Poussinette à l'école et on va chez Cultura. Bah oui, on va chercher quelques livres pour les enfants. Donc, on va chez Cultura. Donc, déjà, je sais déjà que bah, ce soir, je ne ferai pas grand-chose. Donc, bon, enfin bref, c'est tout. C'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver. Moi, je vous le dis. Donc, déjà, Anso a son calendrier. C'est déjà ça. Il est tout rempli. On est bon. J'ai revérifié parce que, évidemment, j'ai un côté. Où il faut que je vérifie, vérifie, vérifie. J'ai un cahier où dessus, j'ai du stabilo, j'ai des croix, j'ai des OK, j'ai des... Parce que j'ai revérifié 4 fois pour être sûr de rien avoir oublié. Après, mon fils me dit toujours, tu sais, maman, je suis autiste. Il y a peut-être une raison à chaque fois. Alors, bon, ça me fait rire parce que, bon, il suppose que c'est à cause de moi. Mais bon, c'est pas grave, je le vis bien. Il me dit, entre tes listes... Tu vérifies tout le temps, tu... Enfin bref, il y a effectivement peut-être que... Hein, peut-être, peut-être. Mais bon. Enfin bref, donc ça c'est fait. Les personnes qui ont gagné le concours ont reçu aussi toutes les deux leur calendrier. Donc ça aussi, je suis super contente. Ça me... Voilà, j'espère que maintenant, toutes les trois, vous ne serez pas trop déçues de ce qu'il y a dedans. J'ai tout fait, j'ai tout rempli avec mon cœur. Et puis... Voilà, c'est ce qui compte. Puis c'est Noël, c'est le partage, c'est les paillettes, c'est les papiers cadeaux, c'est... Voilà, c'est des petites choses magiques comme ça. Et puis bah maintenant, je vais attaquer mes 36 cartes à faire pour vous remercier pour le concours. Donc voilà, donc il y a encore aussi un petit peu de travail de ce côté-là. Et puis pour Albine et Christelle aussi, j'ai l'intention de faire deux courriers un peu plus particuliers pour Noël, voilà. Pour leur remercier de leur gentillesse et tout ça qu'elles m'apportent tout le temps, en fait, que ce soit sur Instagram ou... Enfin, Christelle était en vacances, elle m'a envoyé une carte de ses vacances. Enfin, voilà, ce monde du scrap est vraiment un monde magique et c'est super. Enfin, à l'heure actuelle, c'est rare de trouver... C'est rare. Donc voilà, donc je voulais les remercier toutes les deux avec des petites attentions un petit peu particulières. Donc ça aussi, il faut que je fasse. Hein. Voilà, commence à rajouter un petit peu de choses, vous voyez, tout doucement, enfin bref. Donc, bon, bah, j'ai bien blablaté, je trouve, aujourd'hui, dis donc. Donc voilà, donc je pense que j'ai un peu, pas tout, enfin si, je pense que je vous ai tout dit un peu comment va se passer le mois de décembre, un peu enfouillé, hein, parce que je n'avais rien préparé, ce n'était pas prévu.
Mais bon, voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée parce que, en fait, la vidéo sortira ce soir. Je vous fais d'énormes gros bisous et puis, bah, je vous dis à bientôt.